Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour mon 11e épisode de Pokémon version rouge-feu. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et c'est parti, je coupe la musique pour pas que vous ayez de problèmes avec vos oreilles à cause de la musique de l'avant-ville. Et donc, on en était nous ici. Donc j'ai augmenté mes Pokémon jusqu'au niveau 27 et 28, sauf bien sûr Misterbe. Et donc là, on doit aller à la tour de l'avant-ville. La tour Pokémon. Je suis venu prier pour Mélophée. Ce qui indique bien qu'il y a des Pokémon qui peuvent mourir. Est érigé en mémoire des braves Pokémon disparus au combat. Hé, hey, Dexter, qu'est-ce que tu fais là? Tes Pokémon ne sont pas morts. Je peux quand même les mettre KO. Aucun problème. Tes Pokémon ne sont pas morts. Ce qui voudrait dire que lui, il en a perdu un. Rapace de pique. Son recoupe c'est plus puissant que son nerf bizarre. Quand même ça c'est fort. Un Léviator. Ortide. Là, je suis un peu dans la merde. Première fois que je vois ça. Oui, je change de Pokémon, je tire Rapace de pique. Comme vous avez vu, où en est ton Pokédex? Je viens de capturer un osselet. Je n'ai pas encore trouvé de sa tueur. Je crois qu'il n'en reste plus. Je dois y aller. J'ai du pain sur la planche. Ciao. Il est nul. Il est vraiment nul. Bon, ok, il m'a foutu KO un Pokémon, il m'a foutu KO Ortide, mais bon, c'est différent. Putain, j'arrive pas à me tromper. Ortide est naturellement nul. Mon Ortide. Donc, j'ai la pierre lune. Et j'ai pas d'autres pierres, parce que j'aurais bien voulu faire évoluer Ortide. Je peux faire évoluer Nidorino en Nidoking, mais je le ferai évoluer plus tard.
pas identifier les spectres. Un scope sylph pourrait les démasquer. Corde sortie. Vous n'entendez rien. Oh purée. Putain, j'ai du mal. Bon, on va quitter la tour Pokémon là parce que c'est bon, là elle me saoule cette tour. Je pense que je suis pas encore fait pour l'avoir. Pour la faire. Bon allez. Donc là c'est au sud qu'il faut aller. C'est par ici. Je vais te tuer. Tu t'es retourné au moment où je suis arrivé. Donc je vais te rush un peu de soi. Bon maintenant c'est vrai que les épisodes maintenant ça commence à être de plus en plus rush mais bon. J'en ai marre. Dites-moi si je suis maudit. Vous voyez comment je suis maudit? Il n'y est jamais sous les effets de ce... Il n'y est jamais sous les effets de la confusion. De la paralysie. Allez, suivant, je vais encore...
Je vais encore l'éclater. Passac Pokémon. Je vais en voir au coups. C'est se foutre de ma gueule. J'en ai marre de me tromper de chemin. Plus comme par hasard, je me tape tous les dresseurs du chemin. Oh putain, et en plus une balance de stalactites. Ah bah bah, allez. Faut le tuer, allez, ah voilà. Crap purée. Je pense que je me laisse. Ah, j'arrivais plus à retirer mon pouce du... mon pouce de ma touche d'accélérer. Bon, j'ai fait à peu près ici. Mince. Cruel. Comment as-tu osé, coup de corne? Un motard. Ok. Un deuxième souterrain. Ah putain. Et voilà que je redescends. Ouais, donc ici je peux pas y aller. C'est la de Paul. Je crois que c'est la ville qui est complètement... envahi par la Team Rocket, ça manque que ce soit Safrania, je sais pas. Laisse la team tranquille. Quelqu'un a volé le scope Sylph. Le voleur est parti en courant par là, mais je l'ai perdu de vue. Où est-ce qu'il peut bien être? Qu'est-ce que tu mates? Ok. Hé, cette arène est terrible. Il y a plein de jolies filles. Hein? Ah ouais, mince, c'est la reine plante. C'est la reine que je vais vite détester. Ah merde. J'en ai marre. Mais
Bon, c'est vrai que c'est une grande ville, c'est la Dupal. Toi, je vais t'écraser comme une puce, hein? Une puce? T'es comme un insecte. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Comment as-tu osé? Tornade, au revoir. Bon, je sais que je vous l'aurais fait hyper rapidement cette arène-là. Mais bon, je n'y vois aucune utilité. Elle est trop simple. Bienvenue, il fait beau, n'est-ce pas? J'aime la vie, j'aime les fleurs et les chansons. C'est chou, non? Moi, c'est Erika, le champion de l'arène de Cella de Paul. L'arrangement floral est ma spécialité. Mes Pokémon sont du type plante. Hein, tu veux te battre? Bah, c'est sûr. C'est sûr. Très bien. Mais tu sais quoi? Tu vas perdre. Non. Non, je ne vais pas perdre. Ton petit Ampiflore, il va mourir rapidement. Cruel. Il attaque. Cruel. Il attaque. Ça s'appelle être dégueulasse. Enfoiré de sac de nœuds. En fait, je l'ai saqué. Totalement. J'ai fait une arène complète en rush et je l'ai sac. Littéralement saqué. Le badge Prisme fera oublier les Pokémon jusqu'au niveau 50. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Force lors des combats. Prends également ceci. Ça, c'est Racine. Non, Giga Sensu. La moitié des dégâts infligés soigneront ton Pokémon. C'est une super capacité. T'es pas d'accord? Wait. Bon, toc. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Bon. Je vais arrêter l'épisode ici. Je sais pas exactement combien on a fait. Et vous voyez, pour le jeu, on a joué une heure. Une heure. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. Allez, ciao tout le monde.